Salut les traders, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent demandée. Quelles sont les meilleures plateformes propres firmes sur lesquelles on peut commencer à trader et surtout sur lesquelles notre robot de trading, le Magic Freecom Bot, va pouvoir trader de manière 100% automatique afin de valider vos challenges sans que vous ayez à faire quoi que ce soit? Alors aujourd'hui, je vais vous en présenter trois. Concrètement, notre robot Magic Freecom, il va pouvoir trader sur la grande majorité des plateformes propres firmes. Pour faire votre choix, il faudra vraiment prendre en compte le sérieux de la plateforme. C'est la raison pour laquelle la plateforme numéro 1 que je souhaite vous présenter, c'est FTMO. C'est la plateforme qui est la plus connue, qui est l'une des plus anciennes et donc l'une des plus réputées et l'une des plus sérieuses. C'est la raison pour laquelle c'est la plateforme que je conseille en priorité, d'accord? Et avec cette plateforme, il n'y aura pas de souci pour que le robot puisse trader. D'ailleurs, la plupart des clients du Magic Freecom utilisent notre robot pour valider leur challenge propre firme. Je souhaite préciser également que le robot est conçu pour maximiser les gains en minimisant le drawdown. Du coup, vous pouvez valider vos challenges, mais il permet également de trader sur un compte financé. Donc, une fois que votre challenge est validé ou s'il est déjà validé, vous allez pouvoir utiliser le robot également afin qu'il puisse trader votre compte financé. De même, si vous n'êtes pas du tout sur les propres firmes, mais seulement sur un broker classique, il n'y a pas de souci également, le robot va fonctionner. Ce qui va être important pour le robot, c'est que votre broker ou votre propre firme soit lié à un MetaTrader 4 ou 5. Du coup, c'est le cas pour FTMO qui a abaissé ses critères, donc c'est tant mieux. Avant, il y avait une période limite pour la période de trading. Normalement, c'était 30 jours. Vous aviez 4 jours minimum et 30 jours maximum pour atteindre vos objectifs. Maintenant, il n'y a plus de limite, donc c'est parfait. Si vous prenez le challenge à 100 000 dollars, votre objectif sera un profit de 10 000 dollars, donc de 10%, avec un drawdown maximum sur toute la période de 10 000 dollars. Donc ça veut dire que tant que vous n'avez pas atteint les 10 000 dollars de profit, vous ne devez pas dépasser le drawdown de 10 000 dollars. Une fois que vous avez atteint les 10 000 dollars de profit, si votre drawdown à ce moment est inférieur à 10 000 dollars, du coup votre challenge est validé. Vous avez un minimum de 4 jours, du coup ça peut se faire en 10 jours, en 15 jours, en 30 jours. L'important c'est que vous respectiez les critères qui sont définis. Autrement, votre challenge, il est perdu. Avec FTMO, vous n'aurez aucun souci. C'est vraiment l'une des plateformes les plus fiables en termes de propre firme. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés et le robot est 100% compatible avec cette plateforme. D'ailleurs, on va regarder le backtest du coup du mois de septembre, puisque je tourne cette vidéo au début du mois d'octobre. Ce serait bien de regarder comment se serait déroulé le mois de septembre avec le robot, si nous sommes sur MetaTrader 5. Alors du coup, je lance le backtest. Voilà. Le backtest, il nous donne un profit total net de 14 000 dollars pour un drawdown maximum de 5 320 dollars. Ce qui équivaut à peu près 5%. Donc on est bien en dessous du drawdown maximal fixé. On est même en dessous du drawdown journalier. Donc ça c'est très bien. Pour un profit de 14 000 dollars. Je rappelle que dès que vous atteignez les 10 000 dollars, votre challenge est automatiquement validé. Donc ça ce sont les profits sur 30 jours d'affilée. Du coup en moins de 30 jours, vous avez déjà atteint les 10 000 dollars et votre challenge est déjà validé. En règle générale, le robot, il met à peu près 15 jours pour valider votre challenge avec FTMO. Du coup, la seconde plateforme que je vais vous présenter, ça sera Nova. Donc Nova Funding. Vous allez sur Google, vous tapez Nova Funding. Et ici, vous avez moins d'étapes. Il n'y a que deux étapes. Sur FTMO, il y en a trois. Sur Nova Funding, il y en a deux. Et les règles sont elles sont moins restrictives. Quand vous regardez ici, vous avez un profit donc de 10%. Le temps il est illimité. Donc ici il n'y a pas de minimum de jours comme sur FTMO. Et le drawdown il est de 8%. Avec un drawdown journalier de 4%. Donc comme vous l'avez vu
sur le backtest, vous êtes loin du drawdown, d'accord? J'ai pu refaire un backtest sur le mois de juillet, enfin sur le mois d'août plutôt, excusez-moi, donc le mois d'août. Quoi qu'on peut faire pour juillet aussi, hein, ça revient au même. Et voilà, du coup, on va sur le backtest. Et là, on a eu un profit net de 27 000 dollars. Donc, alors, je tiens quand même à vous préciser que ce n'est pas tous les mois que vous allez faire plus de 20% de profit. Mais en règle générale, le robot, il vous offre entre 10 et 12% de profit. D'accord? Et parfois plus, comme on le voit ici, on est à 27 000 dollars. Un drawdown qui en solde équivaut à 3% et un fonds drawdown maximal à 8%. Donc on est bien en dessous en sachant qu'ici c'est le drawdown pour 27 000 dollars de profit. Dès que vous atteignez les 10 000 dollars de profit, boum, votre challenge il est validé. Donc le drawdown il est bien en dessous de ça. D'accord? Et du coup je peux refaire la même chose comme je vous avais dit pour juillet. Donc juillet, on va le 1er juillet au 30 juillet. Au 31 juillet plutôt. Voilà, et là le backtest nous donne 21 000 dollars de profit avec un drawdown du coup en solde qui est de 3,77% et en fonds drawdown maximal de 12,28%. Donc bien entendu, c'est 12%, mais pour 21 000 dollars atteints, dès que vous atteignez les 10 000 dollars, vous pouvez diviser par 2 ici, on est aux alentours des 6% de drawdown quand vous atteignez les 10 000 dollars de profit. Donc là encore, que ce soit sur Nova, que ce soit sur FTMO, votre challenge il est validé haut la main avec le robot. Et qui plus est, sur Nova, il est marqué très clairement que les IA, donc les robots, sont autorisés. Ils sont autorisés également sur FTMO sous certaines conditions. Et je vous rassure encore une fois, le robot il remplit ces critères. En vérité, le robot il a été conçu en fonction des critères de FTMO à la base, puisque c'est la plateforme que j'utilise personnellement, ainsi que la grande majorité de nos clients. Par la suite, les autres plateformes prop firm se sont alignées sur FTMO en proposant des conditions beaucoup plus simplifiées. Du coup, maintenant, le robot il est compatible sur la grande majorité des plateformes FTMO, Nova ou encore E8 Funding, qui est la troisième plateforme que je souhaite vous présenter. Je n'utilise pas cette plateforme personnellement, comme je vous ai dit, moi je suis fidèle à FTMO, mais j'ai pas mal de clients qui utilisent E8 Funding avec leur robot. Ils ont réussi leur challenge et maintenant ils tradent sur compte financier et ils n'ont aucun problème avec cette plateforme, exactement comme pour Nova. En termes de conditions, cette plateforme est également moins restrictive que FTMO. Il n'y a pas de minimum de jours de trading. Ça veut dire que vous pouvez valider votre challenge en 2 jours, comme en 5 jours, ou en 15 jours, ou en 20 jours, ou en un mois, ou en un petit peu plus. L'important, ça sera de respecter les conditions. Donc, pour un challenge à 100 000 dollars, les conditions sont en phase 1, donc 8 000 dollars de profit, avec un drawdown maximum sur toute la période de 8 000 dollars et un drawdown journalier de 5 000 dollars. Et encore une fois, avec le robot, ben, votre challenge il est validé haut la main. On peut regarder également pour le mois de juin, donc 1er juin au 30 juin. Voilà, on va sur les résultats et on a un profit de 16 000 dollars. 16 000 dollars avec un drawdown qui est de 11% ici et de 15,93% en fonds drawdown maximum. Mais ça, c'est encore une fois, c'est pour 16 000 dollars. Dès que vous atteignez les 8 000 dollars, il faut donc diviser par 2, on sera du coup aux alentours de 5,5% et ici de 7%. En réalité, vous n'aurez pas le temps d'atteindre ce type de profit puisque votre challenge se coupe dès que vous atteignez le target, dès que vous atteignez la cible. D'accord? Alors, du coup, sur E8 Funding, vous avez deux phases également.
C'est la même chose que sur Nova. Donc après, c'est à vous de voir, hein. Ça sera vraiment au niveau des tarifs en fait, hein, que vous allez faire votre choix. Ici, le challenge à 5000 dollars coûte un peu moins cher que sur Nova. Évidemment, vous n'êtes pas forcé de prendre un challenge élevé. Ce que je vous conseille personnellement, c'est de commencer avec un petit challenge et ensuite, avec les gains, vous allez pouvoir grossir et passer d'autres challenges. D'accord? Vous pouvez le faire manuellement si vous avez des bonnes stratégies de trading. Autrement, vous laissez le robot faire le travail à votre place. Idéalement, surtout si vous êtes en challenge, il faut vous placer sur EURUSD en M15. D'accord? Avec l'ancienne version, l'unité c'était M5. Maintenant c'est M15. Si vous êtes déjà client et que vous n'avez pas encore reçu la mise à jour, normalement c'est déjà fait automatiquement. Mais si vous n'avez pas encore reçu, contactez-moi tout de suite pour que je puisse vous envoyer la dernière version. Pour ceux qui n'ont pas encore le robot et qui souhaitent en faire l'acquisition, vous avez le lien en description de cette vidéo. Autrement, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram. Vous avez également le lien du canal Telegram en description de cette vidéo. Vous avez également mon contact Telegram juste ici. Donc, contact Magic Freecom sur Telegram. Voilà. Et du coup, sur le canal, je partage les résultats de nos clients qui ont validé leur challenge. Je partage également des astuces pour améliorer votre trading. Donc vraiment, rejoignez notre canal Telegram. Ici, vous pourrez suivre toute l'actualité du robot. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de profit, quelle que soit la plateforme propre firme. N'hésitez pas à me partager vos résultats. Ça me fait un plaisir de les reposter sur le canal Telegram. Et en attendant, je vous souhaite un maximum de profit et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt!